Hey, salut tout le monde, c'est Dracomixte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir un coffret, comme vous pouvez le voir, de Porygon ZGX. Voilà. Alors Porygon Z, Pokémon arrivé lors de la quatrième génération. Troisième évolution du Porygon, hein. Tout d'abord Porygon 2 et ensuite Porygon Z. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Allez, c'est parti, let's go, on décèle. J'ai trouvé ce coffret chez Micromania. Lorsque j'ai voulu acheter mon DVD de Détective Pikachu. Voilà, petit DVD Blu-ray. Et du coup, j'ai craqué, j'ai vu que c'était sorti, j'en ai acheté un. Allez, let's go, on l'ouvre. On est parti. Ce magnifique polygon. Alors, 4 boosters au total. La carte jumbo, bien sûr. On ne l'oublie pas. Alors, c'est la SM216. Et on voit que même sur la carte jumbo, des fois, ils ont du mal à découper les cartes. Vous voyez le bord sur le haut et le bas de la carte? C'est hallucinant. Tandis que sur l'original, à cette fois-ci, pour une fois, ils se sont impliqués. Alors, donc 4 boosters, on va les mettre dans l'ordre de sortie et on va les ouvrir du plus ancien au plus récent. C'est parti, let's go. Hop. Erreur, voilà. Tac. Alors, on commence par un XY12 évolution. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Hein, du coup, vu que c'est du XY. Let's go pour Fantominus. Magnéti. Altaria. Salamèche. Topicœur. Pokédex. Porygon. Dans un coffret Porygon. C'est super. Total Soin, Énergie en reverse et Flagados X. Bon, ça vaut pas une GX hein, de toute façon. Ça vaut pas une Full Art, mais c'est déjà mieux que rien. On prend. Allez, on continue. Un, deux, trois, quatre. Un, deux cette fois-ci pour mettre la rare et la reverse en dernier parce qu'on est dans le bloc Soleil et Lune. Mascaïman, Miaouss, Larvibulle, Racaillou, Flamiaou, Énergie Acier, Stratégie de Major Bob, Raphaël Chêne, Porygon 2. On a eu Porygon dans l'évolution, Porygon 2 dans celui-ci. Attention, Mélofée et Raichu en rare. Et du coup, on aura eu les trois. Voilà, la famille des Porygons. Au complet, dans un coffret Porygon. C'est magique. Allez, on est reparti. Avant-dernier booster. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Forastery, Funessir, Osselet, Yanma, Manglouton, Énergie Feu, Floramentis, Créfolet, Ténéfix, Carmash et Sermuraï en holographique.
Et le dernier booster, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, pour un Bleedy, Mini Draco, Trompignon. Trompignon qui vient d'arriver dans Pokémon Go. Je sais pas si vous jouez aussi à Pokémon Go comme moi. Mais voilà, il est super. Super mignon ce Pokémon, j'aime bien. D'ailleurs, la 5G aussi qui commence à arriver petit à petit. Monorpal, Farfuré, Énergie Fée, Chapignon, Dodoala, Sinistrail, Chacripan, pareil, un Pokémon de la 5G qui vient d'arriver dans Pokémon Go, et Toco Pisco. Voilà. On va faire un petit récap, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors voilà ce qu'on aura eu dans ce coffret. Toco Pisco, Raichu, Samurai en holo, Flagados X. Et bah du coup la meilleure carte à retenir, hein, bah, c'est la promo. C'est le Porygon. Non, ce qui aurait été drôle, c'est d'avoir eu les trois Porygons différents dans la même ouverture. Avec Porygon dans Evolution, Porygon 2 dans Alliance Infaillible et Porygon Z, comme je vous disais, dans le coffret directement. Bon, voilà, c'était une petite ouverture aujourd'hui. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!